Ici Foxtrot 5, Oscar, Zulu, Kilo et en mobile. Alors ça faisait un bon bout de temps que je n'avais pas fait de chasse à la radiosonde, déjà parce que les vents n'étaient pas très propices dans notre secteur. Pour une fois, c'est plutôt rare ici, mais ouais, ça faisait quelques mois là que ça tournait pas. Et d'autre part, j'avais pas mal d'occupations professionnelles qui faisaient que ça ne me laissait pas toujours le temps d'être disponible. Je sais que quelques-uns d'entre vous attendaient avec impatience mes futures vidéos, mais bon. Sachez que j'y prends toujours goût et je le fais quand j'en ai la possibilité. Voilà, alors là je m'apprête à rejoindre Robert, F6EUZ. On va tâcher de faire équipe ensemble concernant la chasse à la radiosonde nîmoise de ce midi. Alors nous sommes le 6 juillet je crois. Voilà, donc je vais rejoindre Robert et puis on va voir ce qu'on peut faire. Comme à l'accoutumée, on va se mettre sur un point haut, faire un peu de décodage. Et puis voir comment et où on doit s'orienter, sachant qu'on a déjà préparé le départ, enfin le trajet plutôt, avec une prévision, hein, avec une carte prévisionnelle de points de chute. Bien, alors c'est parti, je prends la route et je vais rejoindre Robert. Le scooter à Robert, ça y est, je l'ai rejoint. Mon sommeil, là. Salut mon bon Robert. Oui, c'est vrai que toi tu fais ton reportage. Ah bah tiens, comment vas-tu? Bonjour, jeune homme. Mais je te cherchais, moi, figure-toi, l'autre côté, parce que le pont, il est plus haut, là-bas. Mais là-bas, j'ai pas le dégagement, alors que là, j'ai le dégagement vers Nîmes. Il y a la trouée dans les arbres, regarde, on voit très loin. Ouais, t'as raison. Si j'étais allé sur le parking de Leroy, on a la butte de là, j'aurais pas pu décoder les premiers points. Mais t'es pas mal dégagé en haut, là-bas. Hein. Je te montre à l'occasion. Bon. T'as fait comme moi, t'as édité ta prévision. Ça suit la prévision pour l'instant. Ça suit la prévision. Alors par contre, j'ai pas, comme je sors du boulot à l'instant, elle en est où là? Elle est là devant le Rhône. Elle est toujours en face. Elle est sur, voilà, pile là, elle est un peu moins de 10 000. D'accord, elle est complètement aujourd'hui. Il y a un sacré vent. Mais il y a le vent que au sol. Parce que en altitude, à 4 000, il n'y avait presque plus rien. D'accord. Ah, t'as eu le temps de faire quelques chasses quand même ces dernières semaines? Non, mais t'es allé vachement loin, hein, parce que ça remonte même dans le 84 maintenant. Hier j'étais à 6 euros. Oh là là, mais il est fou lui. T'aurais dû emmener tes skis là pour aller skier un petit peu. Non, il n'y a pas de ski. Avec ton scooter, t'es à 6 euros. Oh, il est malade. Il est fêlé. Peu cher, il est fêlé. Je suis allé à Mont-de-Lure. À Mont-de-Lure, on se pelait l'os parce qu'il faisait même pas 10 degrés. Non, bah, ça va. Allez, ouais, coupe au bras. On y va. Mistral aujourd'hui, alors voilà, Robert peut commencer déjà à faire son petit relevé là, avec son petit dispositif sur le scooter. Ah, il est bien équipé lui, hein. On va prendre la voiture. Ils sont chiants, hein. Putain, ça marche plus bon, donc. Il est planté. Pourquoi? Bon alors Robert, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une chasse ensemble. Hein. Ouais. Ça faisait quelques mois quand même là. Hein. Ouais. Alors Robert, mon copilote. Oh, il est encore planté, c'est incroyable ça. Ah non, je croyais qu'il était planté. Ah ben il est en train de tourner du côté d'Orgon là-bas. Oui, parce qu'elle fait un 8 avec voilà, les vents d'altitude. Ouais, fait... Comme j'ai repris le décodage là, tu vois, ouais. On voit la trace. À peine une partie. Là. Bon. Là tu l'entends toujours? Elle est faible parce qu'on est entre les arbres, mais... Et là, t'as le préamplis en route? Ouais, ouais. Ah ouais, en plus. Et lui, t'as 16 000, presque 17 000. 16 999. Ok. Aujourd'hui, on a une météo vraiment top, hein. Tempête de ciel bleu. Ouais. Quand on pense que dans certains endroits, il fait... Il y a
de la grêle qui tombe, les pauvres. Bon bah voilà, on s'est arrêté sur un point haut, enfin un point un peu plus dégagé on va dire. Et puis tranquillement. Tranquillement fait la réception. Ouais, il y a fond, hein. Il y a quand même un peu de souffle, c'est ça qui est bizarre. Et 2-3 000. Et fais voir ton le schéma. Je ne l'ai plus. Ah, tu l'as plus. Je l'ai laissé dans le coffre de la moto. Ah d'accord, ok, c'est pas grave. Bon, il n'y a plus qu'à attendre le burst. Ça sera bon. Même pas un peu plus loin que le burst. Parce qu'il faut qu'elle refasse son demi-tour. Elle va refaire une boucle, ouais, parce que le vol est en 8. Elle fait ça après le burst, et hop, elle redescend. Donc on redescend, normalement, elle est quelque part par là, hein. Ici. Hein. Nous, on est juste... on doit être... un petit peu en dessous. Que je me revois. On doit être sur cette route grise, là. Tu la vois ? Cette route grise, là, on doit être là, là, juste devant. Bon, on n'a plus qu'à être patient. On est sur un petit point dégagé, à l'ombre, au champ des cigales, avec un petit peu de mistral. C'est pas beau ça, la Provence. Voilà, ça donne la lumière. Voilà. Alors, il y a eu le burst là, il y a quelques minutes. Oui, j'ai pas marqué la différence de couleur. Tu veux que je te le fasse, hein? Ah oui, tiens, si tu veux. Attends, alors, attends. Ah bon, c'est pas ça qui vous fera, putain. Voilà, maintenant il est en rouge. On va remettre altitude. Voilà. Voilà. Comme ça, on le voit sur le tracé. En rouge, c'est la descente. Et le petit morceau qui manque, c'est ton PC à toi. Oui, ouais, c'est quand on a branché notre PC. Alors là, actuellement, 17 000 mètres. En phase descendante. Donc on est toujours sur notre point haut, à attendre. Et au moment voulu, on partira. Et on entend les cigales. Heureusement, elle ne dure pas longtemps, hein. 21%. Bon, la vache, ça monte dur, hein. 21%. Alors, on va sur un vrai point haut, là. Sur un point dégagé, mais t'en vas sur un point où c'est différent. Voilà. Tu prendras la première à gauche. Voilà, il y a une route boulonnée. En bas, c'est Cadonné. Effectivement, bien dégagé. Hein. Et voilà. On n'a plus qu'à aller se garer dans un coin à l'ombre. Ouais, moi, je me garais là, tout le temps. Cette plateforme, là.
le garer là parce qu'après la vigie, tu vois, elle est là-haut. Ah oui, on va se garer là. Alors on est arrivé à la vigie. Et là, on est sur un véritable point rond. Voilà, un beau dégagement. Alors, ça donne quoi en vert? Ça donne qu'il faut faire demi-tour. Hein. Il faut aller en bas dans la vallée et aller vers Pertuis. Regarde. Elle est... Et le signal, ça donne quoi? 670 mètres. On n'a pas touché le sol encore? Non, pas encore. Elle est à peu près à 300 mètres au sol. On va entendre le signal. On se rapproche. Et quelques chances, on va peut-être même l'avoir. Ça y est, on s'est arrêté. Maintenant, on va faire une recherche bio. Ah, c'est ici que je reçois mieux le signal. Alors, Robert a déjà pris un peu d'avance. On va le rejoindre. Il y a... Le signal n'arrive pas très fort parce qu'il y a un petit vallon. Elle a dû tomber dans le vallon là-bas derrière. Donc, De quoi ? Il y a un ravin ? Avec un petit ruisseau. Ah mince, on passera pas. Faut faire le tour alors. Ben, on va essayer de contourner ou passer derrière la ferme qu'on a vue là-bas tout à l'heure. Hey, la Provence en bouteille. On lui demande le propriétaire de traverser. Ouais, mais elle est là dans le champ de, lavande. On va prévenir les gens quand même. Ça peut traverser. Et il n'y a pas plus provençal que ça. Hein. La radio saute qui tourne dans un champ de lavande. Ouais, qu'est-ce que t'en penses, Robert? Ah, c'est super beau, ça. Ouais. C'est une bonne balade, là. Il fait chaud, hein. Il va faire au moins 33 ou 34 degrés. Bon, tu m'inquiètes parce que j'ai toujours pas de signal, moi. Ah, si, moi j'ai le signal à fond, là. Ouais, juste devant, là. On est juste dessus, je vais dire. Pour savoir. Ah mais je le vois, je vais être obligé de passer en harmonique 2. Voilà. On va la retrouver. Donc en fait, elle est à cheval entre le champ de lavande et les vignes sur l'autre côté. Donc on voit le fil. Ah ouais, le parachute il est dans les vignes. Et la sonde elle est de ton côté. Voilà. Attends, on va filmer ça de plus près. Voilà, elle a atterri dans la lavande. Je vais éteindre le récepteur. Oh, comme elle est belle la lavande. Ah ouais. Elle est magnifique. Ah, c'est pas beau ça. Allez, je vais la stabiliser un peu. Voilà la nîmoise de ce midi, enfin retrouvée. Au pied du petit Luberon là, juste là derrière. Bon, c'est plutôt sympa. Hein. On va passer en plein là. Robert, il est parti de l'autre côté. Où est-ce qu'on voit? Ah, il est là. Il est parti faire le tour et chercher le parachute dans les vignes. Ah, il y a un petit peu de mistral quand même. Hein. Bon, ça y est, Robert, allez. Hey, j'enroule, je plie. Enroule le parachute. Non, le fil. Il ne reste plus grand chose du ballon. Hein. Je t'avais dit qu'il restait que l'embout, regarde. Ouais. Quand elle plane comme ça. Elle a pas mal plané à la fin, elle était à combien? Elle était à 1 mètre. 1,5 mètre à la fin. Ouais. Pas grand chose. Hein. Et ben voilà. Et voilà la radio sonde. Bien, bah écoutez, merci de nous avoir suivis une fois de plus sur cette nouvelle aventure pleine de soleil, ah de ouais, province. Le SMERT il va à fond, évidemment, ah bah, c'est toi qui l'as la main. Il serait temps. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On dit au revoir à nos copains et une prochaine chasse. On va dire au revoir à la bonne femme à la bonne.